Oui, je me baisse. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous me voyez. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment je vais préparer mon kit pour la peinture numéro. Ça y est, oui, je vais le démarrer. Oh là là, j'ai encore une tête, moi. Mais pour le démarrer, il va falloir que je le repasse d'abord. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je l'ai reçu, il était roulé, mais plié en deux. Donc, j'ai un gros pli au milieu. Donc, le bruit que vous entendez, c'est mon fer à repasser qui est en train de chauffer. Donc, il va falloir que je le repasse et je vais vous montrer comment je fais. En espérant que le pli va se retirer. Voilà. Donc, je vous remonte. Alors, désolée, vous n'avez plus voir ma tête. Voilà. Je vous remonte la toile. Qui est très très grande. Voilà. Hop, 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 hop. Vous voyez, désolé, il n'y a pas beaucoup de luminosité. En plus, je suis pile devant ma fenêtre. Et voilà le pli. Vous voyez, il est conséquent. Hein. Donc, moi, je vais le repasser sur l'envers. Donc, sur l'envers, c'est un genre de coton. Donc, je vais le repasser sur l'envers. Alors, je vais d'abord le faire avec une serviette éponge. Le fer, je le mets quand même sur coton, mais je ne vais pas mettre de vapeur. Parce que je voudrais quand même que le fer soit un peu chaud. Faites pas attention à mon pull. On dirait qu'il est sale, mais il n'est pas sale. Il est tout usé. C'est un vieux pull. Mais bon, on est samedi, je ne sors pas, donc je m'en fous. Alors, je vais vous rebaisser le fer à repasser, j'allais dire. Je vais vous baisser le téléphone pour que vous puissiez voir au mieux ce que je vais faire. Voilà. Donc, vous voyez, voilà le pli. Il est quand même... Sinon, le reste n'est pas chiffonné du tout. Hein. C'est surtout là que je veux enlever le pli. Donc, on va essayer au mieux de faire ça. Donc, je vais d'abord mettre... la serviette dessus. J'attends que mon fer soit chaud. Non, non, j'ai dit pas de vapeur. Oh, il y a toujours de la poussière de nounou dessus sur mon fer. Alors, si je vois que ça ne va pas, je mettrai un peu de vapeur, mais de toute façon, il y a quand même la serviette éponge qui protège. Ça va déjà un peu mieux. Et ça commence à s'aplatir. Bon, j'ai pris une vieille serviette, hein, parce que bon, je sais pas. Ça commence. Je vais quand même essayer un peu de vapeur pour voir ce que ça fait. Ouais, avec la vapeur, ça va mieux. Je surveille à chaque coup parce que... Donc, faut y aller doucement. On repasse bien au sec, hein, surtout. C'est un peu long. Mais bon, on ne sait pas combien de temps il a été plié, hein, le kit. Donc... voilà, ça commence à venir. Je vais regarder dans l'autre sens si ça va.
Très bien. Le plastique ne bouge pas. C'est surtout ça, parce que de l'autre côté, il y a comme une pellicule de plastique. Hein. Donc, vous voyez, ça commence à s'effacer. Donc, on va continuer doucement. Bon, surtout ne pas le faire avec un sans-tissu au-dessus, hein, parce que là vous pourriez abîmer la toile. On va regarder. Vous voyez? Alors, je vais tenter quand même un coup de fer de ce côté-là, mais toujours avec la protection. On tente, hein, on tente. Vous voyez, doucement. Un petit coup de vapeur, peut-être. Ça va, ça bouge pas. J'y vais par petits morceaux. Voilà, voilà, voilà. On va y arriver. Vous voyez, le pli n'y est presque plus. On va refaire sur l'envers. C'est bête, hein, parce que le reste de la toile, il n'y a pas besoin de passer le fer. Oh, je vous ai fait bouger. Et on voit presque plus le... Je pense qu'une dernière fois ça devrait aller. Je vous lance de la vapeur dans la figure, les filles, désolée. Voilà, bon, un petit peu sur les bords, mais bon, ça devrait aller. On va juste insister sur les bords. Mais les bords, il n'y a pas de peinture à mettre, donc c'est pas grave. Voilà, mon pli est redevenu plat. Je vous le remontre sur ce côté-là. Bon, on voit encore un peu la trace, mais ça va. Par rapport à ce qu'il y avait. Et après, une fois qu'il sera fini, encadré, de toute façon, ça, normalement, je pense que ça ne se verra plus. Vous voyez ? Là, je vais le laisser comme ça, bien sécher, bien refroidir sur ma table à repasser. Et je pense que ça ira. Donc, je vous montre, vous voyez, voilà. Donc là, on a les références couleurs. Hein, est-ce que vous les voyez? Voilà. Donc là, tout ça, ça va être aussi à colorier. J'ai quand même de la surface à faire, hein. Je vais en avoir pour un petit moment.
Et ça va, j'ai pas trop de petites surfaces, quelques-unes, mais ça va être surtout des grandes surfaces. Vous voyez? Voilà. Donc voilà. Donc avec le kit, alors je vous remontre le dessin. Voilà, ça c'est le dessin. Hein, à la fin, ce que ça va faire. Voilà, un lion street art, qu'on va dire. Très coloré. Et donc les peintures, j'en ai pas mal quand même. Donc voilà, j'ai trois palettes de peinture. Donc c'est les trois mêmes. Hein. Donc il y a les couleurs sont me paraissent très belles, voyez. On verra ce que ça donne. Et sinon, ben, c'est tout. Hein. Voilà. Donc la taille, par contre, il est très très grand. Et je ne sais plus, c'est pas marqué, non. De mémoire, je crois que c'est 80. Attendez, je vais reprendre mon grand mètre. Je prends mon mètre de couture. Je prenais à partir de zéro, ce serait bien. Je vais prendre le dessin. Hein. Alors, il me fait, ouais, 80. Sur 60. Donc, il est pas mal. Donc là, je vais le laisser refroidir comme ça. Là, déjà, il est froid. Vous voyez, on ne voit presque plus le pli. Donc ça devrait aller. Après, le souci, c'est savoir comment je vais le travailler puisqu'il est très très grand. Je pense que je vais l'enrouler du bas pour commencer le haut et je ferai au fur et à mesure pour le travailler. Là, je vais laisser comme ça pour l'instant pour qu'il se détende bien. Et comme ça, je pourrai le commencer. Donc voilà. Donc je remontre les palettes. Donc à chaque fois j'ai des pinceaux. Là j'en ai, il y en a un que j'ai enlevé, mais j'ai les pinceaux, j'ai des crochets, donc j'ai les peintures. Et donc voilà le petit dessin, si on peut appeler ça un petit dessin. Donc voilà. Donc sur la prochaine vidéo, bah vous verrez le démarrage de cette œuvre. Donc j'espère que ça ira. Dans la communauté, là, sur ma chaîne, vous pouvez aller voir, j'ai mis celui que j'avais avant, que j'avais acheté, la panthère. En fin de compte, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon mari. Donc là, il l'a presque fini. N'hésitez pas à aller voir dans la communauté. Hein, vous voyez en haut, là, sur la barre communauté, vous cliquez dessus et vous verrez la photographie de la panthère que mon mari est en train de faire, donc en peinture numéro. C'est celle que moi, j'avais commencé et puis que j'ai abandonnée tout de suite. Donc j'espère que là, celle-ci, je ne vais pas l'abandonner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'avoir des commentaires, ça lui fera plaisir également. Voilà. Et là, je vais vous remonter 2 minutes pour vous dire au revoir. Hop. Voilà, je redescends. Donc, la prochaine vidéo sur le thème, ce sera le démarrage hein, avec la peinture. Et vous verrez un petit peu, je vous ferai plusieurs vidéos pour un petit peu, vous voyez l'évolution de ce petit tableau. Bon, qui va être long à faire. Je ne vous le cache pas, mais bon, ça va être assez long à faire. Mais bon.
De toute façon, il vaut mieux que je prenne mon temps pour le faire que de mal le faire. Là, donc, ce sera vraiment mon premier. Je compte pas la panthère, puisque la panthère, j'avais presque rien fait dessus. Ah, désolé, téléphone a fait bip bip. je crois que mon... Non, je crois que la vidéo s'était arrêtée. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Donc maintenant, si vous avez une toile comme ça, et qu'elle arrive chiffonnée, ben vous savez ce qu'il faut faire. Et je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bisous, bisous.